Amen. Total dans Proverbe 15, verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute les prières des justes. Yonanga est toujours méchant. Yonanga est toujours méchant. Batna kanda, batna rofinga, batna haine, batna jalousie, batna makame bien avant mon abisso. Toujours l'abisso va juste été. Bible le 8 et Moutino sont là au tombe, on s'appelle le colo, à l'autre, à juste, à la moutre le quota. Bible les autres, on a venez, vous tous êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Repos à moi, à repos à un ami, à repos à un ami, méchant. Toujours que bon, il n'y a pas un zambé, yo kabiso ma wa, n'a pas un méchant, n'a pas un moutre la kanda, n'a pas un moutre la haine, bah repos la pisse à moi, si n'a pas, repos la pisse à la classe, bah repos la pisse à ma camarade, n'a pas, et ça, bah repos moi, kaya kanda, n'a pas na yo, bana au bon de là, 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 we'll be right back.
Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vraie manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est ce que Bella Makilez Massé n'a pas mon abisso, Makilez Massé rend le bisso pur. Rosa, 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 Ros
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout en Galates 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Tout ce qui est moli mounanza, aton sabiso na mbouma moli mou. Mbuma mulimu biso basala nzambi foto za lango mbuma oyo so musala nzamba za mbuma oyo te asa epave poso ozana morte oza epave so ozana joate oza musala nzambe te tozokobela te nzambe asonga biso mbuma mulimu eva nakatela mona biso mbuma wana mutapisa waka ezaka mulimu nzambe tozokobela mulimu nzambe aton sayona ngai na patience la joie, l'amour, la fidélité, pas de belles lieux, de bondir la communauté massia, Banda Gobondila, Yesu Massia, à son abisson à Ponello, à tout abisson, l'amour, Mouamoulimo, Katana Monagai, et Tony Sama, amour, patience, maîtrise de soi, les Akatana Monagai, Yesu la belle Maulayo, Yesu la belle Maulayo. Santo, et qui t'a mon amai, et son amai, et cambangai, et ton samai, Namouya Sika, Mouma Sika, mon amai, et Botama, et Botama, et Cola, la mon amai, Mamoukil Baye Bayo, Baye Bayo, Satrape, la Rita mon amai, la belle amour, Sveli Panayo, mon son amour, son amour, son son patience, la joie, 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 Je suis là,
Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Gloire à Nzambe. Et au monde, c'est ma caca, n'a pas bien la Nzambe, n'a pas adoré Nzambe. L'icolo kuna, n'a l'icolo, banzelu misal na bango, et zeli kana kata n'adoration. Bazako loué Nzambe, bazako doré Nzambe, bazako yebe la Nzambe, mboula na mboula, balé mbagate, na tango noso, tokoum na tango oyo, tolini to bini la Nzambe. Je n'ai pas tiré la bise au Zembo. Oh, it's all the end.
Nous voulons diminuer et que toi tu récupères ta gloire. Yahweh, prends soin de tout et chacun de nous en ce lieu. Ouvre un entendement spirituel afin que nous recevons de toi ce que tu nous as préparé. Dans les noms puissants de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue et je vous aime au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce soir, nous allons rappeler un tout petit peu et prier. Amen. Parce que la fois dernière, nous avions vu le cinquième point, le résultat de l'intercession. Et sur le résultat de l'intercession, nous avons dit la mise en pratique dans Jacques chapitre 1er, le verset 22. Le verset 26 au verset 27, et nous avons dit que pour un intercesseur, le résultat c'est la victoire. Il doit débloquer les situations d'ordre inhabituel. Matthieu 7, le verset 21 et le verset 26, nous devons être des hommes de foi. Romains 2, le verset 13. C'est là où on s'est posé la question de savoir qui sommes-nous. Alléluia. Amen.
Alors, ce soir, nous sommes toujours dans cette question. Les premiers points, qui suis-je? Alléluia. Qui suis-je? Alléluia. Parce qu'un intercesseur, s'il ne se connaît pas, bien-aimé, il risque de faire une intercession nulle. Une intercession non cadrée. Une intercession confondue. Une intercession que Dieu n'agrée pas. Une intercession qui ne monte pas. Alléluia. Voilà pourquoi nous lisons le passage de la fois dernière dans Actes 7, le verset 51 à 53. Il est écrit: homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annoncent d'avance la venue des justes, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne les avez point gardés. Alléluia. Amen. Ici, la Bible dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Alléluia. Si nos parents étaient des sorciers, c'est que nous sommes aussi des sorciers. Si nos parents étaient des sirènes, nous sommes aussi des sirènes. Si nos parents étaient des féticheurs, nous sommes aussi des féticheurs. Si nos parents étaient des idolâtres, nous sommes aussi des idolâtres. Alléluia. Amen. Non, je ne connais pas ton identité, je ne connais pas ton origine, mais je sais seulement ce que nos pères ont été, nous les sommes aussi. Dans la morphologie, on ressemble à sa mère, on ressemble à son père, on ressemble à son oncle, on ressemble à son neveu, à son cousin, c'est qu'on porte le sang de la personne. Alléluia. Il y a des chromosomes de la personne dans ta vie, dans ton corps. Amen. Et comme tu es porteur des chromosomes de ton père ou de ta mère, tu portes des caractéristiques de tes parents. Alléluia. Si ton père était féticheur, toi aussi tu l'es. Si ta mère était sirène, toi aussi tu l'es. Si tes grands-parents étaient peut-être des charlatans, c'est que toi aussi tu es dedans. Et ils nous ont transmis par le sang la sorcellerie, par le sang la semence de la sirène, par le sang la semence de la coutume et tradition, par le sang la semence de la chefferie, par le sang, bien aimé, ils nous ont transmis beaucoup de choses qui compliquent nos vies et nos délivrances. Alléluia. Nous avons repris Acte 7, le verset 51 à 53. C'est ça, c'est là où nous sommes. Et on s'est posé la question de savoir qui suis-je. Alléluia. C'est là où j'explique que ce que nos parents ont été, nous le sommes aussi. Parce qu'il nous dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Si ton père était un coutumier, toi aussi tu es coutumier. S'il était un marabout, tu es marabout. S'il était un féticheur, tu es féticheur. S'il était sirène, tu es sirène. S'il était sorcier, tu es aussi sorcier, sorcière. Parce qu'ils nous ont transmis le sang, et le sang qu'ils nous ont transmis domine dans nos vies et produit de mauvaises choses, les mauvais comportements, les mauvaises réactions, les mauvais caractères, produit la haine, la
jalousie, la rancune, la vengeance. Alléluia. Mais la personne, tu marches seulement de la journée, tu regardes quelqu'un, tu ne le connais même pas, mais tu portes la haine envers lui. Pourquoi ces choses? Alléluia. C'est ça la semence de la sorcellerie, comment elle se développe dans nos vies. Amen. Les mauvais comportements. Tu es quelqu'un sans raison. Je ne l'aime pas seulement. Alléluia. Mais pourquoi tu ne peux pas l'aimer? Alléluia. Vous n'avez même pas de racines avec lui. Vous n'avez même pas de rapports avec lui. Vous n'avez même pas, bien aimé, de cotentiers avec lui. Mais tu les es seulement. Alléluia. Un mauvais cœur. Un cœur de jalousie, un cœur de critique, un cœur de mensonge, un cœur d'hypocrisie, un cœur de vengeance, un cœur qui détruit. Alléluia. Mais comment une personne comme ça peut élever ses mains et intercéder pour que le Seigneur l'écoute? Alléluia. Il doit d'abord réparer avec Dieu avant que le Seigneur l'écoute. Amen. Amen. Nous allons regarder dans le livre de Néhémie au chapitre 9. Néhémie 9, 16 et 17. Néhémie chapitre 9. Le verset 16 et le verset 17. La Bible a dit, mais nos pères se levèrent à l'orgueil et redirent leur coup. Ils n'écoutèrent point les commandements. Ils lui refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites à leur faveur. Ils y redirent leur coup et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonneras pas. Alléluia. On retourne d'abord le verset 16. Il dit, nos pères se livraient à l'orgueil. Ils y redirent leur coup et n'écoutèrent point tes commandements. Si ton père n'écoutait pas les commandements de Dieu, est-ce que toi, l'enfant, tu peux écouter les commandements de Dieu? Parce que nous avons dit dans Acte 7, le verset 51, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Si ton père n'écoutait pas les commandements de Dieu, comment l'enfant peut-il écouter les commandements de Dieu? L'enfant aussi va résister à l'ordre du Seigneur. L'enfant va aussi s'opposer à ce que le Seigneur dit. Il va, bien aimé, tourner le dos aux lois et commandements de Dieu. C'est pourquoi la Bible continue pour dire, ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que le Seigneur avait faites pour eux. Dieu a libéré les enfants d'Israël de la servitude depuis l'Égypte. Alléluia. Il a dit, je vous amène vers les pays où coule le lin et le miel. Ils ont traversé la mer Rouge. Avant la mer Rouge, ils étaient attaqués par le Pharaon. Mais la main de l'Éternel s'est levée pour les protéger. Alléluia. Il les a épargnés. Il les a sécurisés. Il les a gardés. Il a combattu pour eux. Et ils ont traversé la mer Rouge, bien-aimés, à sec par une victoire. Et à quelques mètres de la mer Rouge, ils ont tout oublié.
oublié et ils se sont révoltés contre Dieu. Alléluia. Et lorsqu'ils se sont révoltés contre Dieu, la Bible déclare qu'ils ont oublié. Ils se sont allés, ils se sont fait une rébellion et se donnèrent même un chef pour retourner en Égypte. Alléluia. Les enfants de Dieu veulent retourner dans la servitude. Ils veulent la souffrance que la liberté. Pourquoi ces choses? C'est parce qu'en nous, il y a des choses qui crient. Il y a le sang de la malédiction qui crie en nous. Il y a le sang de la sorcellerie en nous. Il y a le sang de la magie. Il y a le sang de l'occultisme. Il y a le sang des féticheurs qui crient, qui ne veulent plus que nous puissions obéir à Dieu, qui nous mettent toujours, bien-aimés, en opposition à Dieu. Afin que nous soyons frappés par l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Regardez les enfants d'Israël. Ils se sont nommés un chef et voulaient retourner à la servitude. Alléluia. Alors que Dieu, c'est un Dieu prêt à pardonner. Un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu lent à la colère et riche à bonté. Alléluia. Regarde ce que nous faisons. Regarde ta vie, moi je vais regarder ma vie. Alléluia. Pourquoi nous nous opposons toujours au Saint-Esprit? Et le verset 52 de Actes nous dit ceci. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue des justes que vous avez livrés maintenant et dont vous avez été des meurtriers. Nos parents ont persécuté. À l'époque coloniale, avant même l'époque coloniale, lorsque les Belges venaient, alléluia, annoncer l'évangile en Afrique, dans les fonds faits du pays, bien-aimés, nos arrières et grands-parents s'opposaient à ça et ils mettaient en pièce ceux qui venaient annoncer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Alors, ils ont versé le sang des serviteurs, de ceux qui annonçaient l'évangile, le sang des justes. Ils les ont livrés à la mort. Donc, c'était des meurtriers. Mais et toi et moi, nous portons le sang de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Ne sommes-nous pas des meurtriers comme eux? Ne sommes-nous pas des assassins? Ne sommes-nous pas des sorciers au combat, bien-aimés? Si on a sacrifié, on parle de la sorcellerie. Alléluia. Consciemment ou inconsciemment. Tel que nous avons entendu les témoignages de notre bien-aimé hier, qui faisait des avortements. Alléluia. Tous les sacrifices qu'il y faisait, ça symbolise la haute sorcellerie. Parce qu'il versait le sang. Alléluia. Amen. Amen. Une personne comme ça, si le Seigneur n'intervient pas par sa miséricorde et son amour, comment peut-il intercéder et la prière pourra-t-il monter? Alléluia. Voilà pourquoi quand nous venons à l'intercession, bien-aimés, nous allons toujours commencer par prier pour nous-mêmes. Plaire pour nous-mêmes. Parce que nos origines sont compliquées. Là où nous sortons, il n'y a rien de bon. Là où nous sortons, c'est la sorcellerie. Là où nous sortons, c'est l'idolâtrie. Là où nous sortons, c'est les abominations. Là où nous sortons, on nous a déjà sacrifiés. Alléluia. Mais comme on nous a déjà sacrifiés, rien de bon ne sortira de là si on ne puisse négocier avec Jésus.
chercher la réconciliation avec Christ. Alléluia. Arranger avec ton Dieu. Réparer avec ton Dieu. Bien-aimé, chercher à ce que le Seigneur te reconnaisse. Amen. Malgré les fautes, parce que nous avons lu tout à l'heure que c'est un Dieu compatissant. Au verset 17. Alléluia. De Néhémie 9. Il est un Dieu compatissant, riche en bonté. Alléluia. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Même si tu étais opposé à Dieu, même si tu lui as tourné le dos, quand il revient avec un cœur sincère, en dépouillant ce qui est au-dedans de toi, en déballant bien-aimé ton cœur devant ton Dieu, sincèrement, le Seigneur va te pardonner. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, faute de temps, on ne pourra même pas continuer avec d'autres passages. On va regarder, bien-aimé, nos vies. Nos vies de ce passage. Regarde ta vie à partir de Néhémie 9. Regarde maintenant ta vie. On nous dit, le verset 17, qu'il est un Dieu compatissant. Un Dieu plein de miséricorde, un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de bonté, un Dieu riche en bonté. La Bible dit, il est prêt à pardonner. Alléluia. Il est prêt à pardonner. Mais qui sera pardonné ce soir? C'est la personne qui va s'ouvrir à lui. Alléluia. La personne qui s'ouvre à lui, c'est cette personne que Dieu va pardonner. Si tu caches tes transgressions, la Bible dit, tu ne prospéreras point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà pourquoi nous voulons nous abandonner entre les mains du Seigneur ce soir. Parce que nous ne sommes pas saints. Et nos origines, je vous ai toujours parlé, moi je suis sorti de la chefferie coutumière du côté paternel. Amen. Mon arrière-grand-père, chef coutumier. Mon grand-père, chef coutumier. Mon père, ici de cette génération, ils ont eu des conflits avec ses frères parce que c'est lui qui devait hériter, puisque son père l'aimait, c'est lui qui devait remplacer au trône. Ils ont eu des combats terribles et mon père a fui le village. Il est parti chercher sa vie à Kisangani. Alléluia. Il a laissé la royauté. Alléluia. Amen. Et il est parti. Même s'il est parti, mais dans son sang, dans son corps, il portait la semence de la chefferie coutumière. Amen. Pour preuve, lorsque l'idée de notre petite sœur était morte, bien-aimée, j'étais encore petit et je vis de mes propres yeux comment ma mère pleurait. Alléluia. Et pour enterrer cet enfant, on l'a enterré dans la cuisine. Alléluia. C'est-à-dire une maison comme ça, et on fait une cuisine dehors, et dans cette cuisine-là, on va creuser là où on prépare. Amen. On creuse et on met le cercueil, on enterre, on met les épines dessus. Amen. Chose curieuse, le matin, après qu'on a enterré, on a fait ces choses le matin, on a retrouvé qu'un léopard est arrivé, il a enlevé les épines et il a dormi sur la tombe. Alléluia. Alléluia. Alors, toi, tu vas te dire maintenant, parce que moi, je suis de la chefferie coutumière, je suis parti loin, comme je suis parti loin, il n'y a rien de... Hein? Pourquoi cela? C'est au combat spirituel, bien-aimé, que nous avons eu le discernement de cela. Les léopards, c'est les totems de la famille. Amen. C'est leur Dieu de la famille. Il est venu prendre, bien-aimé, la semence et repartir avec. Alléluia.
Même si tu traverses les eaux, ils sont avec toi. La coutume n'a pas besoin d'un passeport. Il n'a pas besoin d'un visa. Il n'a pas besoin d'un avion. Il ne paiera même pas les billets pour qu'il puisse t'atteindre. Il viendra et il va faire son opération dans ton corps, dans ta vie, dans ta maison, là où tu habites. Alléluia. Parce que vous portez les semences. Alléluia. Comme vous portez les semences, comment un léopard pouvait arriver dans une ville pour venir dormir sur la tombe? Un animal peut-il déplacer les épines? Alléluia. Alléluia. Je voudrais que tu comprennes là où nous venons. Quand je parle de ces choses, je connais, alléluia, que là où nous venons, il n'y a rien de bon. Nous sortons de très loin. Nous sortons de la coutume et de la tradition. Nous avons la semence qui crie en nous, qui nous oppose à Dieu, afin que Dieu n'agisse pas. Alléluia. C'est cette semence, bien-aimé, qui bloque nos bénédictions. C'est cette semence qui bloque le mariage. C'est cette semence qui bloque l'avancement. C'est cette semence qui bloque la délivrance. Alléluia. Moi, je ne sais pas. C'est pourquoi nous avons posé la question de savoir qui suis-je. Donc, c'est que les enfants d'un chef coutumier sont des léopards. Alléluia. Ah, tu n'as pas dit amen. Je t'ai donné le briefing de témoignage, n'est-ce pas? C'est que les enfants des chefs coutumiers sont des léopards. Ils doivent chercher la délivrance des léopards. L'autre fois, à la retraite, je vous ai dit que quand je vis dans un rêve, j'étais à la quarantaine et je me voyais que nous sommes allés dans une retraite et dans cette retraite-là, j'avais une couverture. Je me couvrais. Alléluia. Et dans cette couverture, au-dessus de la couverture, il y avait un léopard qui venait jouer avec moi. Amen. C'est-à-dire, moi-même, j'étais quoi? Un léopard. Alléluia. Amen. Mais qui es-tu? Qui sommes-nous? Alléluia. Jusqu'à preuve du contraire, il fallait saisir la délivrance du léopard. Alléluia. Pour que le Seigneur fasse de grandes choses dans nos vies. Amen. 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 Alors, c'est que toi, tu as l'habitude de rêver. Ça, la forme de ton identité. Si tu rêves le léopard comme moi, c'est que tu es aussi un léopard. Si tu rêves peut-être un crocodile, c'est que c'est la famille des crocodiles. Si tu rêves peut-être l'antilope, c'est que la famille d'antilope. Si tu rêves la panthère, donc tu es de cette famille-là. Tu rêves peut-être un oiseau de proie, c'est que tu es de cette famille-là. Alléluia. Tu rêves un serpent, n'en parle même pas. Amen. Le serpent prend la forme de tout animal. Alléluia. Il vient prendre la forme de léopard, de panthère, de tigre, de chèvre. Le serpent prend toutes les formes. Dites-moi, mais ce n'est pas le dossier ce soir. Le temps nous sera imparti. Le temps est imparti. Le jour J, on pourra parler de cela. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce soir, prends la décision comme un intercesseur. On est encore lié à la coutume. Je vous ai dit ça. On est lié à la tradition. Je vous ai parlé de cela. Alléluia. On est, bien aimé, attaché quelque part. Chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les occultistes, à cause de nos origines. Amen. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous voulons pleurer devant Dieu. Que sa miséricorde descende sur toi et sur moi et que notre Dieu qui est prêt à pardonner nous pardonne. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous allons nous mettre debout et nous allons avancer comme d'habitude devant le trône de Dieu. Et nous allons, bien aimé, nous déballer devant ce Dieu.
Mais avant cela, nous allons élever nos voix, nous allons bénir l'Éternel. Ce Dieu est grand, ce Dieu redoutable. Ce Dieu compatissant, ce Dieu miséricordieux, qui nous a parlé cet après-midi, que son Saint-Nom soit béni, prions dans le nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, je te bénis. Nous n'avons pas beaucoup de temps, bien-aimé. Dis Seigneur, je te bénis. Je t'élève, je t'adore. Je te glorifie parce que tu m'as interpellé, afin que je m'y reconnaisse. Qui suis-je? Un homme, un animal, un oiseau, un insecte, un batracien, un objet, un arbre, un fruit. Qui suis-je, Seigneur? J'ai écouté le témoignage de mon frère. Et moi, je viens m'abandonner, Seigneur, devant ta face. Toi qui es un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu plein de bonté, plein d'amour. Même si la nature m'a transformé, toi, tu es capable de me visiter, Seigneur. C'est pourquoi je bénis ton nom. C'est pourquoi j'élève ton nom. C'est pourquoi je glorifie ton nom. Parce que tu es Emmanuel. Ne change jamais. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi de rois. Nous allons nous approcher et demander pardon à Dieu. Parce qu'on nous dit, il est un Dieu qui pardonne, un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui est lent à la colère, un Dieu riche en bonté. Ce Dieu-là va nous pardonner ce soir. Alléluia. Ne regarde pas la charge de tes péchés. Même si tu as fait des sacrifices comme notre sœur d'hier, même si tu as tué, tu as livré, même si tu as fait des choses bien-aimées qui ne donnent pas gloire à l'Éternel, Dieu est capable de nous pardonner. La Bible nous dit, il est un Dieu qui pardonne. Ton problème et mon problème, c'est seulement ouvrir ton cœur, demander pardon à Dieu. C'est-à-dire accepter de dire à ton Dieu que je suis coupable. Accepter, bien-aimé, ton tort devant l'Éternel et lui demander de te pardonner. Amen. Élevons nos voix, prions et cela au nom de Jésus-Christ. Sweet.
Seigneur, je suis un enfant rebelle. Je suis un enfant insoumis. Je suis un enfant désobéissant. Rien ne marche dans ma vie, Seigneur. Parce que dans ma rébellion, dans mon insoumission, dans ma désobéissance, il y a une semence qui est installée en moi, qui m'oppose à toi. La semence de la sorcellerie, la semence de la sirène, la semence des féticheurs, des chefs coutumiers, des griots. Mais pousse à m'opposer à toi, Seigneur. Aie pitié de moi ce soir. Aie pitié de moi, Jésus. Je ne puis rien sans toi, Seigneur. Je descends sous tes pieds. Je viens pleurer devant toi. Je pleure de coupable devant ta face. Je pleure de coupable devant toi, Seigneur. Je reconnais mon tort. Je reconnais ma faute. Je reconnais que je suis opposé à toi, Seigneur. Je m'oppose toujours à ta parole. Je m'oppose aussi à tes serviteurs. Je m'oppose à tout ce qui est bon. C'est à cause de cette semence de la sorcellerie en moi qui détruit ma vie, qui détruit mon corps, qui m'oppose à toi, qui me pousse, Seigneur, loin de ta face. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Moi, aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi. Depuis mes ancêtres, je porte une semence. Depuis mes parents, je porte une semence. Depuis mes grands-parents, on m'a transformé. On m'a transformé. On m'a manipulé, Jésus. Je suis manipulé. Je reconnais mon tort. Je reconnais ma faute. Je reconnais ma licence. Je reconnais mes transgressions. Je porte la haine, la jalousie, la rancune, la vengeance. Parce qu'en moi il y a une semence, Seigneur, de féticheurs. Parce qu'en moi il y a une semence de chants qui viennent. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Ne me livre pas la mort. Ne me livre pas la mort, Jésus. Ne me livre pas la mort, Seigneur. Je m'approche de ton trône. Aie compassion de moi. Je sais que tu es assis sur ton trône. Aie compassion de moi, Seigneur. Ne regarde pas ma sorcellerie. Ne regarde pas mes péchés. Ne regarde pas mes fautes. Ne regarde pas ma licence. Ne regarde pas mes transgressions.
regardez pas mes comportements, mes réactions. Pitié, Jésus. Pitié, Seigneur. Pitié, Emmanuel. Jusqu'à quand m'abandonneras-tu dans les péchés? Jusqu'à quand me laisseras-tu dans les péchés? Jusqu'à quand me laisseras-tu dans cette situation? Jusqu'à quand dois-je demeurer dans les péchés? Seigneur, pitié. Jésus, pitié. L'homme de Galilée, pitié. Emmanuel, pitié. Le sang d'Israël, pitié. Les lions de la tribu de Juda, pitié. Emmanuel, aie pitié de moi, Seigneur. Aie compassion de moi par ton amour, par ta grande miséricorde, par ta bonté, Seigneur. Yeah.
nos maris, qu'il ait pitié de nos épouses, qu'il ait pitié de nos enfants, qu'il ait pitié de ceux qui vivent avec nous dans nos maisons. Et les voix, on va prier, et cela au nom de Jésus. Car ce que nous vivons est aussi les vies. Ce que nous étions est aussi les sons. Que la main de l'Éternel soit élevée dans nos maisons. Pour pardonner les iniquités, pour pardonner la rébellion, pour pardonner les péchés, pour pardonner l'insoumission, pour pardonner la désobéissance, pour pardonner ces abominations que nous avons commis, que nos frères ont commis, que nos sœurs ont commis. Jésus, aie pitié, l'homme de Galilée, aie pitié, l'ami fidèle, aie pitié de mon épouse, de mes enfants, de mes petits-fils, aie pitié d'eux, par ton amour, par ta grande miséricorde, par ta bonté. Mes petits-fils, ne les abandonne en tête sainte et divine. Aie compassion et pitié de Jésus. Condamnez pas, Seigneur. Aie compassion de cet homme. Aie compassion de cette femme. Aie compassion de ses enfants. Aie compassion de Jésus. Tous, nous sortons de quelque part. Des origines compliquées. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Les papas combattants, les mamans combattantes, les jeunes de la JCC qui ne sont pas membres de nos familles, mais qui viennent prier avec nous, ils sont aussi concernés. Que la main de Dieu s'élève pour les pardonner. Que le Seigneur pardonne leur rébellion, leur insoumission, leur désobéissance. Tous ceux qui commettent, ce ne sont pas eux, Seigneur. Il y a une semence qui est rentrée en eux, qui les pousse à la rébellion, à la désobéissance, à l'insoumission, à la désobéissance, Seigneur. Papa, il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a l'occultisme, il y a la chevelure coutumière, il y a la coutume et tradition, il y a le fétichisme, Seigneur. Aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur, aie pitié de nos enfants. Et lève ta voix, commence à prier en le nom de Jésus. Aie pitié de Jésus. Aie pitié de Seigneur. Par ton amour, par ta grande miséricorde, par ta bonté, Jésus. Aie pitié de Jésus. Aie pitié de l'homme de douleur. Aie pitié de l'ami fidèle. Aie pitié de les saints d'Israël. Ne les abandonne pas. Ne les détruis pas. Ne les déstabilise pas. Dans les occupations habituelles, dans les maisons, dans les services, à l'école, aie pitié d'eux, aie compassion de Jésus.
choses. On plaide le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie, couvre nos maisons, nos frères, nos sœurs, vos maris, vos épouses, vos enfants, vos petits-fils, que tous, même nos bien-aimés, combattants, combattantes, soient couverts dans le sang de l'agneau immolé, et les bonnes voix prions dans le nom de Jésus. Que ton sang nous couvre, que ton sang nous protège, que ton sang nous sécurise, que ton sang soit notre partage, Jésus. Que ton sang soit notre partage, l'homme de douleur. Agis merveilleusement dans nos vies parce que toi tu es Dieu. Toi tu ne cesses d'étendre ta main au milieu de l'assemblée de ton peuple. Garde-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Sécurise ton peuple. Sécurise tes enfants. Sécurise tes hommes. Sécurise tes rachetés. Sois avec Emmanuel. Parce que toi tu es Dieu. Tu ne changes jamais. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, on continue dans nos maisons avec cette attitude de repentance. Alléluia. Et demain, on va clôturer la séance. Amen. On continue aujourd'hui avec la repentance telle que nous avons fait là. Amen. Et demain, on va enchaîner avec cette exhortation. Et demander toujours à Dieu, qui suis-je? Amen. Dieu peut te révéler, il peut te faire grâce. Amen. Il m'a fait grâce de savoir que c'est dans notre famille, c'est les léopards. Et je l'ai combattu pour les renverser. Amen. Mais dans ta famille, qui es-tu? Nous, du côté paternel, ce sont des léopards. Alléluia. Je parle du côté maternel. Je parle d'abord du côté paternel, des léopards. Amen. Mais pour toi, demande à Dieu, qui suis-je? Un homme, un animal, un oiseau, un batracien, et je ne sais pas moi ce que le Seigneur va te dire. Amen. Il est souverain. Prends seulement les passages que nous avons donnés, continue à lire, continue à prier, intercède et que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Ne faites pas des justifications dans des prières. Alléluia. Là où nous échouons, c'est parce que nous nous justifions. Nous disons au Seigneur, regarde, mon père était sorcier, voilà pourquoi je suis comme ça. Non, il n'y a pas de justification à faire. Accepte que tu es sorcier. Ce n'est pas toi qui avais choisi d'être dans cette famille. Tu es né dans cette famille des léopards. Donc toi tu es léopard. Dis seulement, Seigneur, je suis un animal. J'ai perdu ta forme. J'ai perdu ta ressemblance. Je suis un animal. Comment tu peux bénir un animal? Aie pitié de moi. Délivre-moi de cette identité. Alléluia. Mais si tu te justifies, tu n'auras pas la délivrance. Alléluia. Tu vas commencer à tourner et ça ne marchera pas. Amen. Hein? Et tu vas faire des années, tu vas commencer à condamner même Dieu, que Dieu n'agit pas. Alors que c'est nous qui prions mal. Amen. Nous allons prendre nos offrandes et nous allons donner à Dieu ce que nous avons apprêté. Et nous allons prier et clôturer la prière.